j'ai commencé le foot à 6 ans, 5 ans et demi du coup. J'ai commencé dans un club amateur, ça s'appelait Racing Club de France, en région parisienne. Ensuite, à 12 ans, je suis parti au PSG. J'ai fait PSG de 12 ans jusqu'à mes 18 ans. Ensuite, je suis arrivé au Standard à mes 19 ans, c'est ça, en janvier. En France, j'ai beaucoup appris parce que je suis resté très longtemps au PSG. Ça m'a beaucoup apporté, ça m'a forgé mentalement, physiquement et même beaucoup techniquement aussi. Et ensuite, quand je suis arrivé ici, fallait que je passe un cap pour passer dans le monde pro et voilà. Et ça m'a beaucoup apporté. Depuis que je suis arrivé, je me suis encore plus aguerri que quand j'étais en jeune. Je pense dans la maturité, dans l'agressivité directement, même en parlant avec les membres du staff de l'an dernier ou encore avec Benjamin ou le président. Ils m'avaient montré qu'ils avaient confiance en moi et qu'ils voyaient quelque chose en moi et qu'ils me faisaient confiance. Il y a des très bons joueurs à ce poste-là. Après, bon, il y a des choses qui arrivent, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Tant que tu as la confiance du coach et du club, il y a toujours moyen. Après, les joueurs à mon poste aussi sont très bons. Du coup, il fallait que je travaille d'arrache-pied pour essayer de gagner mes minutes. Je pense que j'ai beaucoup progressé surtout sur la maturité dans mon jeu. Parce qu'avant, je pense que parfois, je pouvais me déconcentrer et perdre des ballons un peu bêtes. Et je pense que j'ai beaucoup progressé sur ça. Tout ça, ça arrivait un peu vite quand même, parce que je suis passé de quelqu'un qui ne jouait pas du tout, qui n'avait pas joué une minute, à quelqu'un qui a enchaîné peut-être pas 4 matchs d'affilée, mais j'ai enchaîné 2 matchs d'affilée en une semaine. Donc c'était un peu rapide pour moi, mais faut s'attendre à tout dans le football, ça va vite dans les deux sens. Du coup, si ça marche pour moi, tant mieux. Et si le jour où ça ne marchera pas, faudra bosser pour que ça remarche pour moi. Je pense que contre Bruges, tout le monde savait que c'était une grosse équipe et fallait donner le meilleur de soi-même, jouer à 100 voire 200%. Et je pense que tout le monde l'a fait. Ensuite, contre Moucron, je pense que les gens étaient dans la même optique. Après, peut-être qu'on a un peu moins bien abordé le match. Mais je pense que tout le monde était dans la même optique. Après, dans le match en soi, on ne fait pas un mauvais match non plus. C'est juste qu'on a des occasions, on ne les met pas au fond. Et eux, ils n'ont même pas de tir cadré, ils marquent. Mais après, c'est le football, hein, c'est comme ça. La clé, je pense que ça sera à peu près la même que contre Bruges. Il faudra jouer avec de l'agressivité, de la grinta. Il faut que tout le monde voit dans le même sens. Et qu'on joue tous ensemble, et je pense que ça marchera.